إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Donc nous sommes arrivés dans notre cours, notre explication du Kitab al al Mufid ala adillati al Tawhid. Nous sommes arrivés au chapitre numéro 27. Au chapitre numéro 27. Tout le Coran est Tawhid. Le Coran Kulluh Tawhid. Tout le Coran est Tawhid. Donc nous allons lire, inshallah, la parole de euh, l'auteur, Sheikh Mohammed Ibn Wahab al al-Wasabi Puis nous donnerons l'explication, inshallah, de ce chapitre numéro 1. 27. Tout le Coran est tawhid. Page numéro 94 pour ceux qui ont le livre. Leçon numéro 27. L'imam Ibn al-Qayyim a, a dit Toutes les sourates du Coran incluent les deux types de tawhid. En témoignant, en témoigne et y exhorte, le Coran comporte Soit une information relative à Allah ou ses noms, ses attributs, ses actes et ses paroles, c'est l'unicité de connaissances et d'informations. at al-Ilmi Soit le Qur'an comprend également soit un appel à l'adoration d'Allah seul sans rien lui associer. Et à l'abandon de toute autre adoration, c'est l'unicité de l'intention et la sollicitation. Al 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 euh, donc ça, c'est l'unicité de la divinité. Soit un ordre et une interdiction, ainsi que l'obligation d'obéir à ces ordres et de délaisser ces interdictions. Ce sont les droits de l'unicité et ses compléments. Soit une information relative aux honneurs, aux honneurs dus aux adeptes du tawhid, ce qu'ils ont dans la vie présente, et la façon dont ils seront honorés dans l'au-delà, c'est la récompense de son unicité. Soit une information relative aux adeptes de l'association, ce qu'ils endureront, comme châtiment dans la vie présente et la punition qui les attend dans l'au-delà. C'est le châtiment qui frappera ceux qui deviennent, frappera ceux qui devient euh, de l'unicité. Le Qur'an entier porte donc sur le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah au Il traite de ses droits et de sa récompense tout comme il traite de l'association de ses adeptes ainsi que du châtiment qu'ils subiront comme cité dans al al Majid page 17-18 propos extraits du livre Madari salikin, d'Ibn Al-Qayyim également euh, tiré du livre Al-Aqida Tahaouiya page 89 Taïb Donc, <coughs> tout le Coran traite du tawhid. Tout le Coran est le tawhid. Le Coran est ou bien une information d'Allah, de ses noms, de ses attributs, de ses actions ce que l'on nomme le tawhid ilmi, khabari, comme on l'a dit précédemment. Ou bien il traite, ou bien dans le Coran, il appelle, euh, il appelle au prêche, il appelle à l'adoration, l'adoration d'Allah Ta'ala seul, sans associer et le fait de retirer de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'allah donc ça c'est le, les, les deux formes de tawhid que euh, nous avons mentionné précédemment lors de la lecture du texte de l'auteur également nous dit le cheikh le Tawhid, le Qur'an plutôt, le Qur'an, il traite également des ordres et des interdits d'Allah. Il traite de la nécessité de l'obéissance à Allah dans ses ordres et de ses interdits. Et cela, donc les ordres et les interdits, ça fait partie de la perfection dans l'unicité. Le complément, la perfection dans l'unicité, c'est-à-dire dans le tawhid. Ou alors, dans le Coran, il y a l'information des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des aimés d'Allah ta'ala, et, leur, euh, et de, leur, euh, de leur rétribution dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ceci est une partie Ceci est une partie concernant le Tawahid, l'unicité d'Allah. Ta Ou bien dans le Coran il y a l'information concernant les gens du polythéisme, les gens du shirk, les gens de l'association et ce qui a été descendu hein, les concernant dans la vie d'ici-bas. Également ce qu'ils auront dans le Coran il est mentionné ce qu'ils euh, auront au châtiment auquel ils auront droit dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà. Ceci est une partie intégrante également, une partie euh, qui est tirée du jugement du Tawahid, de l'unicité, et qui est présente dans le Coran. Donc tout le Coran traite du, du Tawahid, c'est le Tawahid. C'est-à-dire le Tawahid et ses partisans, leur rétribution également euh, le châtiment de ceux qui dévient qui dévie de l'unicité du Tawahid parmi les gens du polythéisme et leur rétribution. Tout le Coran revient au Tawahid. Donc cela nous indique l'immense argumentation, la très immense argumentation de l'importance de l'unicité du Tawhid. Et ne connaissent, n'ont connaissance de cette immense importance, de cette grande immense importance, que les imams, ceux qui appellent au, à l'unicité au Tawhid, parmi les messagers, les nobles messagers, euh, les, 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 les messagers parmi les nobles messagers, et les autres. Euh, ne connaissent donc que euh, la place et la valeur du Tawahid et son importance que les gens du Tawahid et ceux qui appellent au Tawahid. Également, également Allah Ta'ala Tabaraka Wa Ta'ala n'a pas créé, créé les cieux et la terre et les djinns et les hommes. Et l'enfer et le paradis, le paradis et l'enfer, il a également légiféré le combat dans le sentier d'Allah et beaucoup d'autres choses immenses. Tout cela, il les a créés pour l'unicité le tawhid. Et à la tête de tout cela, la parole de tawhid. À la tête de toutes ces choses-là que nous venons de citer. La parole de Tawhid qui est la ilaha illallah. Ala lisane kulli rasoul wa ala sur kulli la langue Donc, par la langue de tous les messagers et par la langue de tous les prophètes. Naham, qui est, ce qui a été révélé, bien entendu, transmis par les, les anges, les nobles anges. Wayakfina kaululullahi tabaraka wa ta'ala. Et il nous suffit la parole d'Allah, le béni le Très-Haut, "Wama khalaqtul insa illa Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar matin." Allah Ta'ala nous a éclairci comme quoi, avec certitude, il ne nous a pas créés pour pour les choses de la vie d'ici-bas. Naham euh, Allah Ta'ala est exempt de cela, mais il nous a créés pour l'adoration. Hada il est le Seigneur, l'immense, le vénéré, le grand, celui, celui dont nous ne, pouvons, nous ne pouvons le décrire, celui dont nous ne pouvons informer sur ses attributs uniquement. Que uniquement sur ce quoi il nous a informé lui-même. Nous aimerions maintenant lire certains versets qui euh, nous font prêter attention sur l'immensité d'Allah et sa grandeur et son immensité. Et comme quoi il est seyyidu, qu'il est le maître, euh, qu'il est le maître de de l'univers, de ce monde, qu'il est le, le, le maître de l'univers. Et comme quoi Allah est le seul qui mérite l'adoration, euh, en vérité, le seul qui est l'unique qui mérite l'adoration, na wa an yu khlassa yu khlassala huda'in et il est le seul qui mérite la religion exclusive l'exclusivité dans la religion et nous ne pouvons pas wa la kina na nastohi ayat min al-qur'an nastohi al-ayat min al-qur'an t'adule al-azmatirabb bin nous allons un des versets qui, dans le Coran, qui nous indique l'immensité euh, de notre Seigneur, le très grand, l'immense, par lesquels il mérite l'adoration seule Et qu'il mérite, Allah Ta'ala, que nous nous soumettons à lui et que nous ayons euh, de la euh, honte, de la pudeur envers Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous dit, « Fi karim » عالم الغيب والشهادة شهادة الكبير المتعال سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخفف مستخفين بالليل والصارب بالنهار الله تعالى ندي في كتابه الكريم le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent le grand le sublime sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour cela dans ce verset sont les attributs les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montrent son immensité et sa grandeur ici nous nous posons nous nous posons euh, humblement avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala devant son immensité Allahu tabaraka wa ta'ala par rapport à ces versets Allahu ta'ala est l'immense Allahu ta'ala est l'immense, le grand, le connaisseur de toutes choses, celui euh, dont rien n'échappe. également وَيَخْدَعَ وَيَخْدَعَ et également tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, dans les cieux et la terre, se soumet à Allah Taala, se soumet à Allah Il y a les anges qui se soumettent à Allah, Subhanahu Ta'ala. Voilà euh, Donc, inshallah Taala, toujours dans le contexte comme quoi le Coran, tout le Coran est du Tawhid. Nous avons donc vu précédemment et rapporté la parole d'Ibn al-Qayyim qui nous dit il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il comprenne, hein, sans qu'il englobe l'unicité d'Allah, le Tawhid. Regardez les versets que nous avons cités précédemment qui englobent le Tawhid al cest c'est-à-dire l'unicité de la divinité. Également, lorsqu'Allah nous dit ⁇ lorsqu'Allah, dans le Coran, nous euh, mentionne euh, ce verset ⁇ C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible, c'est lui le tout miséricordieux, le très... Miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui. Euh... <coughs> Donc, ici, dans ce verset, il y est compris l'unicité, le verset que nous venons de citer, il y est compris l'unicité de la divinité c'est-à-dire l'unicité de la divinité. Et dans la suite, c'est la première partie du verset. Et, c'est-à-dire, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Ça, c'est l'unicité de la divinité. Et la deuxième partie, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça, ça traite de l'unicité des noms et attributs, des noms

Ça, c'est l'unicité de la seigneurie. On nous dit donc que ce verset comprend les trois formes, les trois catégories d'unicité de tawhid. Également dans un autre verset, dans un autre verset, sourate el Hadid, celle dont nous a fait signe, à propos de laquelle nous a fait signe. الإمام ابن القيم رحمه الله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Naham. Donc, ce verset que nous allons traduire à la suite comprend, englobe les trois catégories également de tawhid. Les trois catégories de tawhid. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. Et il, Allah est le puissant le sage, c'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse leur, les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et leur a lancé la terreur dans leur cœur jusqu'à la fin du verset. Donc dans ce euh, verset également on nous dit que ce verset contient les trois formes de tawhid. Le Coran a donc besoin besoin que l'on médite sur lui. Naham et que l'on connaisse et que l'on connaisse la place et la valeur du Qur'an. Le Seigneur des cieux et de la terre, c'est le Seigneur l'immense. La place du messager est une place immense, celui sur lequel est descendu le Qur'an al Qur'an Nous connaissons donc apprenons ce Qur'an et nous le mettons en pratique. Après, après que nous l'ayons assimilé, c'est-à-dire médité et compris, et que nous ayons perçu les buts du Qur'an. Plus particulièrement en ce qui concerne l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du Seigneur, c'est-à-dire Allah lui-même, ses noms, ses attributs et, ce, et son droit, son droit qui est l'adoration, son immensité, sa vénération, sa grandeur, la peur d'Allah. La, euh, la pudeur envers Allah ou taala l'amour l'humilité l'humiliation envers Allah ta'ala euh, la soumission et tout autre genre d'adoration celle que celle dont nous prenons connaissance dans le Coran immense également et également dans la sunna la tradition de notre prophète de notre noble prophète ali Salatou wassalam wa في آية الكرسي: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم كل monde connaît سورة البقرة أي كرسي فرس 255 الله Point de divinité à par lui le vivant celui qui subsiste par lui-même al qayyum ni somnolence ni sommeil ne le saisissent à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission il connaît leur passé leur futur et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut son trône al kursi déborde les cieux de la terre et dont la garde ne lui coûte aucune peine et il est très haut le très grand. Il est le très haut, le très grand. Hayt Kursi Naham. Tayyib. Ce verset 1 hein, Al-Baqara verset 255. Également donc ces versets, ce verset hein, est parmi les versets qui nous montrent l'immensité d'Allah dans le Qur'an, dans le noble Qur'an, et bien sûr dans ce verset il y est compris l'unicité d'Allah, il y est compris. Ce verset englobe l'unicité d'Allah ou Ta'ala dans la divinité, l'unicité d'Allah ou Ta'ala dans la seigneurie et l'unicité d'Allah ou Ta'ala dans ses noms et attributs. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص que tout le monde connaît elle comprend l'unicité l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité De, euh, la, de la seigneurie, Naham. Elle comprend également, ce verset comprend également l'unicité d'Allah dans la divinité et dans les noms attributs. On nous dit, on nous dit, le messager d'Allah a dit au sujet de cette surat. Donc, le messager d'Allah qui est lui-même des gens du Tawhid. Le messager d'Allah qui est l'imam des gens de l'unicité. Et qui est le plus connaisseur parmi les gens de son Seigneur wa a'lamu al-'ilm al-khabari wa pardon nesbihad al-quran et le prophète ali sallallahu alayhi est le celui qui est le plus connaisseur parmi les gens du quran du quran al-karim du quran ali sallatou wa salam alors euh, puis on nous dit puis on nous dit Si nous n'avons pas de méditation, d'assimilation et de méditation et de compréhension du Coran, comment allons-nous atteindre comment allons-nous atteindre comment allons-nous atteindre le tiers du Coran, le tiers le tiers دي قران، سارتان سافون، اوندي، اي باغميو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ادي، سات سورات، سورة الاخلاص، تضمنت كل، كل انواع التوحيد. سات سورات، سورة الاخلاص، قل هو الله أحد جيسكا لا elle comprend tous les genres d'unicité. Tawahid al ithbet Tabaraka wa ta'ala, wa tawahid Tanzi, tanzih Allah an kulli wa naqs, donc l'unicité de l'affirmation, hein, qui affirme euh, tout, euh, la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous ces genres. Également l'unicité, celle qui vient... Euh, Exempté Allah de tout défaut et de toute diminution, euh, de tout manque. Et Allah est au-dessus de ce euh, que, les, que les transgresseurs lui attribuent. Allah est au-dessus de tout, euh, tout manquement, tout rabaissement, tout défaut. Concernant ses noms, les plus beaux, les sublimes et ses attributs les plus, les plus hauts. Tandis que la deuxième forme de Tawhid, on nous dit d'unicité, celle qui traite de l'adoration. Le Coran en est rempli et les messagers n'ont été envoyés que pour cela du, dernier, du premier pardon, au dernier. Ils n'ont été envoyés que pour cette unicité de l'adoration. Et le djihad, le combat dans le sentier d'Allah, ainsi que le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, ces choses-là n'ont été, euh, été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala que, que euh, également pour للتوحيد والنهي عن المنكر الا من اجله لان التوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فطر الله الناس عليه دونك الله تعالى الله سبحانه وتعالى ا ا dispositions et créer les gens pour l'unicité l'unicité Et ils n'ont pas à s'enorgueillir. Et ils n'ont pas à débattre sur celui-ci. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Surat Luqman, verset 25. Allah Ta'ala également nous dit dans le Coran... أمن يملك أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سورة يونس کرسيه 31 سورة يونس کرسيه Surat Yunus, donc, verset 31, dit Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre Qui détient l'ouïe et la vue Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant Et qui administre tout Ils diront Allah Dis alors Ne le craignez-vous donc pas Ne le craignez-vous donc pas Donc, les peuples précédents, les peuples, ont dévié et se sont égarés de l'unicité de l'adoration. Et parmi les premiers qui ont dévié, parmi les premiers qui ont dévié, cela a commencé à l'époque du peuple de Noé, jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la résurrection. Et la plupart de ceux qui ont dévié dans l'unicité, dans le tawhid, Shaitan, c'est Shaitan, surtout le peuple de Nord, c'est Shaitan au début, hein, qui, euh, qui, leur a euh, fait un stratagème pour qu'ils tombent dans le polythéisme. Et Allah ou nous en a informé nous a informé de ça dans le coran également parmi les sourates qui traitent du, polité, du tawhid pardon de l'unicité, wa minha sourate la sourate dit euh, on oh voulait on oh voulait mécréant la surat, surat al-Kafirun, que tout le monde connaît, dit ô vous les infidèles, les mécréants. Cette surat, donc c'est la surat 109 fin du Coran, celle dont l'imam Yul Qaïm ar nous a fait signe, qui se nomme euh, Hadihi Toussamma Surat al-Ikhlas, al-Thaniyah, al -ul ula تسمي سورة الإخلاص لأنه أخرس فيها التوحيد أي التوحيد الأسماء والصفات إذاً روكادي سكو نودي الشيخ ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله ينودي إيكالمون سورة euh, سورة قل يا أيها الكافرون dit « Oh vous les infidèles, les mécréants euh, !» Ibn al-Qayyim, nous dit « Elle s'appelle euh, la, la surat al-ikhlas, la deuxième. » La deuxième sourate al-ikhlas, c'est-à-dire « ikhlas », hein, euh, traduction rapprochée du sens, euh, la sourate du monothéisme pur. Eh hein. euh, bien, euh, sourate al-kafirun également, « Elle se nomme euh, ainsi. » La deuxième surat de l'Ikhlas. La première donc, elle s'appelle Sourate el l'Ikhlas parce que elle traite de l'unicité, euh, du monothéisme pur, de, des noms et attributs euh, et des autres tawhid, tandis que et du tawhid euh, de la seigneurie. Tandis que la surat, cette surat Al-Kafirun, elle traite de l'unicité dans l'adoration. Elle est le monothéisme pur de l'unicité dans l'adoration. Al-Kafirun dit ô oh vous les infidèles. Je n'adore pas ce que vous adorez la je n'adore pas ce que vous adorez voilà un et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore voilà voilà ma et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion et à moi ma religion. Wala antum ma abud lakum dinukum wali adin. Surat al-Kafirun donc. Fihi ithbet al-ibadatu Il y a donc dans cette surat l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. Il y a également dans cette sourate le désaveu de l'adoration à autre qu'allah ou et également le désaveu des apôtres de l'adoration, des associateurs. Fahiya sourate al al wa sourate ikhlas Donc cette sourate, dans cette sourate, il y a le désaveu le des aveux des associateurs et de ses adeptes. C'est donc une sourate immense qu'il est obligatoire de comprendre et, et, et d'y méditer, par rapport à l'immensité de son rang et sa place. Naham. Donc j'ai ici encore tout un, euh, un exposé sur le Coran, tout le Coran est auhrid. J'ai encore ici tout un exposé sur tout le Coran. التوحيد. Mais الحمد لله، اليوم نحن نتفائل بهذا، إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.